Marcher sur les traces des anciens, respecter le terroir, une philosophie que suit simplement Yves de Surmain, viticulteur depuis plus de 40 ans. Ben vous êtes un peu dans le cœur du domaine. Le domaine, c'est 18 hectares uniquement sur l'appellation Mercurey, avec, on va dire, les trois quarts en premier cru. Le flambeau se transmet depuis 7 générations avec pour seul critère la passion du métier. Un moyen aussi de désigner le responsable du domaine. Sur mes frères et sœurs, on était 8 enfants, il y a des regrets, il y a des... moi j'ai choisi mon métier. J'aurais pu être vigneron, peut-être ailleurs, peut-être, mais j'aurais toujours été vigneron. Une passion transmise à l'un de ses 6 enfants, Loïc. Depuis 2004, il est à la tête de la société familiale. Pour lui, ce n'est pas le poids du passé qui est écrasant. Le poids, ce sera plus sur de la commercialisation, sur des normes, sur des choses comme ça. Après, ce qui était vrai à une époque n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Donc on est obligé d'évoluer avec le temps et avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Une transmission entre générations réussie avec à la clé un beau palmarès. Une des appellations du domaine a reçu une médaille d'or en 2018 et une médaille d'argent en 2019. On sait qu'on travaille pour la même chose, pour le Mercurey, on trouve un arrangement. Moi, je donne des conseils et Loïc agit. On a la nervosité de la jeunesse, on va dire. On veut que ça aille toujours plus vite, toujours plus vite. Et puis, de temps en temps, heureusement qu'on a nos parents et nos anciens qui nous disent « Oh là, calme, ça va bien se passer, on continue et tu vas voir, tout va aller ». Et souvent, c'est ce qui se passe. Complémentarité et complicité. La solution pour envisager avec sérénité et modération le passage de relais à la prochaine génération. À l'avenir.